Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end à tous. On pourrait presque dire une bonne semaine de vacances. À part qu'il va y avoir lundi école et puis le reste. En tout cas, moi à l'école d'Eden, ils n'ont pas du tout l'école le reste de la semaine. Et comme nous on part du dimanche du fin de la semaine de Pentecôte, on revient que le vendredi d'après, il a limite 2 semaines de vacances, mon fils. Bref, passons. Hier, je suis allée faire quelques petits achats. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Puisque comme on part en Corse du 13 au 17. Donc je suis allée faire le plein de ce qui nous manquait. Donc moi je n'avais pas de chaussures d'été. Donc je me suis pris des chaussures extrêmement simples comme ça. Et encore si j'aurais pu me passer des petits trucs dessus, je m'en serais passée. Mais c'est très très noble. Bon, plus c'est simple, mieux ça me fait. Je me suis pris une paire de tongs, toute simple aussi. En tout, je lui ai pris des chaussures comme ceci. Donc ça fera pour aller à la plage et puis pour se promener. Voilà, c'est vraiment en vacances. Elles sont plutôt sympas, elles font pas papy, parce qu'il y en avait que je crois qu'elles étaient très papy. Celles-ci font quand même assez modernes et Pierto adore le brun, je sais pas si vous voyez, mais c'est un cuivre, un cuir brun. Et j'ai trouvé enfin le maillot en tuyau que je voulais pour les roses. Donc je vais vous le montrer. Alors, donc je l'ai trouvé. J'ai trouvé le maillot de Lily Rose à New Keys. En fait, des maillots en tuyau, j'en trouvais plein, mais c'était tout une combi intégrale. Et qui n'était pas soit en deux parties, soit qui se dégrafait pas entre les jambes. Donc si j'avais besoin de changer une couche, c'était la misère. Donc c'était pas du tout ce que je cherchais. J'ai fait beaucoup de boutiques et je ne trouvais pas beaucoup. On sait qu'ils faisaient ça en deux parties à partir de 2 ans. Mais à New Keys, ils font cette marque qui s'appelle Archimède. J'essaierai de vous trouver un lien en barre d'infos si jamais ça peut se vendre par internet. Mais apparemment, c'est pas sûr du tout. Qui ont une partie culotte couche anti-UV. Donc c'est pratique en fait, c'est-à-dire que j'ai plus qu'à rincer et j'ai pas besoin d'acheter des couches spéciales pour l'eau. Donc c'est une économie parce que ça vaut quand même un certain prix. Hein. Le bas, parce que je suis allée dans un marque-avenue, m'a coûté 28,80€, sinon il a 43€. Donc voilà, c'est un bon prix de maillot de bain. Hein. Voilà, donc ça c'est le bas, j'ai trouvé ça très mignon dans les coloris bleu et rouge, ça s'allait super bien. Et le haut est un haut classique anti-UV, mais qui est de la même marque. Archimède, comme ceci. Voilà, donc qui couvrira bien les épaules. Alors je sais que c'est pas ce qui est le plus mignon, hein, on est d'accord, hein, même pour Eden, hein, c'est pas la combi la plus mignonne du monde. Elle, du coup, je vais payer 26,75€ au lieu de 39€, je crois que j'en ai eu. Et après, il y avait une remise dans un magasin de 30%, m'a dit la dame. J'étais pas là. Oui, c'est là, en fait, comme c'est les produits l'année dernière, c'est ce printemps-été 2017. Bon, je trouve trop mignon, donc ça ne me traumatise pas. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Du coup, au total, je l'ai payé 32€ le maillot de bain de Lily, mais j'ai eu 30%, donc j'ai une belle remise. Mais je l'ai pris en 18-24 mois et je pense qu'il peut-être y a moyen. Ouais, elle va le faire toute l'année au moins, parce qu'en fin d'année, on espère repartir aussi dans un endroit où il fait beau et chaud. On est en train de voir pour ça. Voilà, ça sera son petit ensemble, d'ailleurs, qui est un ensemble qui a mis ensemble, qui est anti-UV et c'est de la marque Archimède. Moi, je me suis trouvé un maillot de bain, mais il est déjà rangé, donc je vous le montrerai dans ma vidéo. Je vais faire une vidéo de notre valise vacances qu'on va faire, parce que nous, notre but, c'est vraiment d'être sur une valise pour tout le monde, en prenant vraiment que ce qu'il y a besoin, parce que souvent, on fout une tonne dans la voiture et il n'y en a pas le besoin. Voilà, donc je vous ferai ça, je vous parlerai de ma trousse de secours. Il y a pas mal de petites choses du coup que je vais vous faire autour de ce profiter de ce séjour qu'on part un petit peu plus tôt que le plein été. Qu'est-ce qui s'est passé à la télé? Ah, mais c'est parce que Lily, elle a piqué les télécommandes, regarde, ma filoute. Sinon, comme tous les samedis, j'emmène Eden, moi, ça dépend, au baby gym. Donc du coup, je vais vous montrer sa petite tenue sport. Donc bon, mis à part un boxer. On a reçu un petit short de la compagnie des petits de sport. Il est super mignon, super sympa. La matière est légère, donc du coup, c'est parfait pour le sport. En taille 50, ça c'est moi qui ai précisé la taille vestimentaire. Je trouve qu'il fait un peu short type basket, vous voyez, c'est sympa. Ça m'a fait penser que plus grand, on n'a pas pensé à ce type de sport à proposer à Eden. Et je lui ai mis avec eh bien, le petit t-shirt que j'ai fait dans le DIY de mercredi. Je vous le remets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et une paire de chaussettes. Et puis je vais voir, je vais essayer de vous filmer un petit coup du baby gym tout à l'heure. Voilà pour Eden. Et mademoiselle, eh bien, elle pourra y aller à partir de septembre au baby gym. C'est à partir de 18 mois qu'ils prennent. Et du coup, je les mettrai tous les deux sans doute aux mêmes horaires. Donc Lily peut-être dans le groupe du dessus ou... Parce que de toute façon, les parcours sont les mêmes, sauf qu'ils prennent plus leur temps, les enfants. Parce que sinon, c'est sur une tranche horaire assez différente quand même. On a plus d'une heure de... trois quarts d'heure de décalage, donc ça nous ferait rester une heure et demie. Bon, après, pourquoi pas, on peut enchaîner les deux séances, mais ça fait beaucoup, je trouve, pour eux, une heure et demie de sport.
Et comme ils sont proches... Ouh là là, doucement, bébé. Papa qui a habillé Lily Rose ce matin. Il s'est pas trop mal débrouillé. Un petit pull sympa, un petit jean, les petites chaussettes toutes simples. C'est moi qui ai coiffé, par contre, faut pas abuser. Mais elle a une petite mèche rebelle, là, sur le côté, là. Ch'ting, ch'ting, ch'ting. Parce que là, maintenant, je dégage bien le visage parce qu'il fait chaud. Et les cheveux, ça tient chaud parce qu'elle a les cheveux épais, mademoiselle. Donc on a du fait maison, donc ça c'est chouette parce que moi c'est pas quelque chose que je me sens du tout de faire moi. Et du coup c'est fait par Hyperu, donc là on a de la pâte à tartiner. Il m'a fait aussi découvrir, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voulait faire avec Anto. Ce sont donc, ils appellent ça des bruschetta. En fait c'est une sorte de gros pain qui sert de gros toast en fait, où ils mettent plusieurs choses. Donc là il y en a un, c'est la parisienne. On a celui qui est au kebab, celui qui est l'italienne, donc on a de la mozzarella, du coulis de tomate, des tomates, et une spécialité de chez nous avec ravioles et poulet. Voilà, ils appellent ça la romanesque, puisque les ravioles c'est la spécialité de Romans. Et ils m'ont fait découvrir aussi, enfin ils m'ont proposé de découvrir un bento japonais. Donc voilà, donc du coup bah, on goûtera, et aussi, bah voilà ce qu'il est en train de piquer, un petit peu de la charcuterie. Là ici nous avons des merguez et ici nous avons des godibo. Donc c'est plutôt chouette, franchement ça m'a super étonnée, ça m'a fait plaisir. Et je ne savais pas, du coup ça m'a permis de découvrir que Hyperu faisait du fait maison. Donc ça c'est plutôt chouette, fait maison avec des produits locaux, notamment la raviole. Bah voilà, c'est du local quoi si c'est fait maison. Donc c'est plutôt chouette, et lui voilà, le fait qu'il soit sans huile de pâte m'intéresse. Donc on goûtera ça mon bébé. Enfin voilà, maintenant on attend nos amis Olivia, on a le petit frère d'Anthony avec sa cousine Lexi et la femme du petit frère d'Anthony qui sont là, Johan et Adeline. Donc du coup voilà, ils sont en train de se voir les enfants. Nous on va les alléger maintenant parce que avec le pull là, ah, il fait chaud hein. Ah papa. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in
perfection, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Les garçons ont décidé de faire bouger l'îlot de sens pour qu'on puisse après glisser une table. N'est-ce pas, Alex? C'est moi, j'ai rien décidé. C'est toi qui as proposé. Pas l'aspirateur de tout. Comme ça, au moins, quand on aura. Tu sais quoi, comme t'as l'air de bien aimer les Dyson, je t'invite à le tester. Avec votre brosse. Des manucures, moi, je peux pas. Par contre, tu vois, la brosse, c'est plus grosse, du coup. Parce que Olivia, son mari, lui a offert le Dyson. Ouais. Pour son anniversaire, c'est un beau cadeau, hein, un aspirateur. Non, on n'est pas mariés. Et bim, cadeau. Voilà, bon, par contre, ça ressemble pas à grand chose actuellement parce qu'il y a un bordel monstre dans cette cuisine. Mais du coup, on gagne énormément en espace là, ce qui n'est pas bête parce qu'on peut mettre les chaises de là et. Ouais, bah du coup, non, on va pouvoir mettre une table et des chaises pour le coup, si on veut. Et mes mères, elles jouent calmement ici. Tranquillement, elle fait sa petite vie, tous les garçons sont à l'étage et elle est là. On a refermé la boîte, mon cœur. Voilà. Elle regarde les petits livres toute seule, elle se pose, elle aime bien. Elle aime... Oui, mon amour. Et au fait, il y a la dent qui a percé, les amis. Ça y est, quand je dis que les dents travaillaient, elle a percé, donc ça devrait aller mieux maintenant. Lily, elle est en train de squatter chez Olivia. Madame, il fait de la draisienne dehors. On est ouvert de ce côté, vous savez, on alterne avec le chaud. Les garçons jouent là, et voilà le résultat côté sonne. Alors, pour le moment, il y a du linge qui est tendu et il y a les affaires des amis. Vous squattez la place quand même, j'y sais, j'y rien. Un petit peu. Un petit peu. On a fini de nettoyer la cuisine, mais du coup, ça sera rangé comme ça. Et on va vraiment pouvoir, du coup, avoir une place pour une table. Pour le coup, là, il y a la place sans que ça fasse surcharger. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, Olivia va nous offrir une table pour cet été. Hein? Merci, Olivia. On a une qui commence à faire les doux plaisirs de graboter par terre. Qui va prendre une bonne douche ce soir. Alors, là, je vois, elle a pas la susu, mais j'essaie de lui mettre la susu quand elle grabote parce que j'ai toujours peur qu'elle me mette des cailloux dans la bouche. Ça va, susu ? Oui, la tortue, c'est défaite. Tiens, hop. C'est ça, la tortue. Hop. Non, à moi. C'est à toi, oui. Hop, tiens, la voilà, la tortue est réparée. Et voilà. Et elle gratouille, elle gratouille. Et Eden, bah, il fait sa petite vie. C'est vrai qu'avoir deux jardins, ça nous permet de... Ça nous permet bah, de les laisser un coup à l'ombre, un coup... Voilà, ça c'est le côté ombre en fait. Côté lever du soleil et du coup, bah, on est à l'ombre, il fait bon, on a un peu d'air. Alors, nouvelle du potager. Mon chat m'a déterré mon pied de tomate qui est quasiment mort. Donc, je vais en racheter un. Par contre, le pied de fraise va bien. Donc, ça c'est plutôt chouette. Et du coup, on va racheter un pied de tomate. Et je pense que je vais mettre un petit grillage tout à la base. Parce que les chats, effectivement, viennent gratter. Il n'y a pas que le mien d'ailleurs. Les chats du quartier viennent gratter. C'est cool le terreau pour faire ses besoins. Et mère, elle va aller passer la nuit chez mamie. La fin de journée, la nuit. La dernière fois, c'était d'Eden. Et cette fois, c'est Lily Rose. Oui, non, pas toi, mon cœur. C'est Lily, que c'est je Lily prends. Cette fois, mon cœur. Chacun après, son tour. Tu viendras la prochaine fois, parce que sinon, je pense que ça va faire quand même. Ah, bah oui, c'est chacun son tour, c'est normal. Tu fais un bisou à Lily, elle s'en va. Tu dis au revoir à Lily. Au revoir. Mamie, mais à Lily aussi. Tu lui fais un bisou à ta soeur. Bonsoir. Oh, c'est gentil. Un bisou à mamie. Pour toi tout seul. C'est bien ça d'avoir papa pour toi tout c'est seul. Bien, mon oui, cœur. Gentil. Je vais avec ma reine. Tu me fais un bisou. Je t'aime à ce soir. Dada. Non, tu fais pas dada. Maman, elle part toute seule, mon cœur. Bon, les amis, on se retrouve en voiture. Je suis de sortie. Je vais chercher Camille, ma meilleure amie. Et on va au spectacle de danse de notre amie, donc de Audrey, la marraine de Lily Rose. C'est le vieux peu que vous avez l'habitude de voir si vous suivez les vlogs régulièrement. Du coup, soirée fille, on va manger... je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait qu'on mange à McDo. Wouhouhou ! Manger à McDo. Oh, mon gars, par contre, il fait tellement chaud. Et après, bah, direction le spectacle. Donc, je vous embarque avec moi dans une soirée fille. Il n'y en a pas souvent, donc on en profite. Salut Camille ! Je suis sur mon lieu de travail. Oui, et il est 29. Dans une minute, est terminado et tu peux venir aller manger... comme une grosse. Traduction. McDo. Les filles, il est 18h46 et ça veut bien faire net. Et nous sommes déjà en train de commander à manger. Alors Camille, elle a voulu faire petit appétit. Elle a pris Happy Meal. Mais voilà, petite faim en plus. Moi, je voudrais bien un hamburger en plus, s'il te plaît. Tiens, t'en mets un. Merci. Et moi, je veux un croque-monsieur. Ben voilà, et je pense qu'on est good. Bon, manger. Fini. Oui. Maintenant, on s'est garé à côté. Enfin, normalement, parce que c'est Camille en fait qui a toutes les infos, mais qui vient de me dire en fait, je suis pas sûre.
Mais pas du tout. Donc j'espère pour elle qu'on s'est pas planté et qu'on est au bon endroit. Merci. Vous pouvez éviter de nous écraser, c'est très cool. Merci. Et c'est là normalement qu'on traverse cette côté-là. Donc voilà, on va aller voir Audrey avec son spectacle de danse. On pense qu'on va bien être, ça va bien être sympa. Elle passe vers 20h, donc on va rester jusqu'à la fin de son passage. Et puis après, on restera pas tard parce que Camille elle part demain matin tôt chez Mickey. À 4h du matin, motivation extrême. Oui, mais c'est pour aller voir Mickey, donc là la motivation, oui, motivation extrême. Je pense qu'on passe là, voilà, ça a envie. Donc voilà, on va pas rester tard. Et puis moi j'ai d'autres choses de boulot à faire en rentrant aussi. Donc on y va pour la copine et après, on rentre chez nous. Trouver Yann le chéri. Qui vient pour Audrey. Et là on attend, on a payé nos petites entrées. On a pris une petite boisson et on attend. Je sais pas. Non, Camille a fait sa radio. 2€ la bière. Ah, je suis content. Mais attends, hein. C'est vrai, je dois l'acheter chez Kiki. Voilà, rentrée. Je filme avec la lumière juste de l'écran. On a la fenêtre, la baie vitrée ouverte. Ça fait du bien d'avoir l'air frais. Une belle journée, le beau temps. Ça fait vraiment du bien parce qu'on s'était habitué. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je m'étais habituée à ce beau temps pendant quelques jours. Puis là, il y a un mauvais temps. J'étais là, oh, l'été fini. C'était un peu tôt parce que des fois, avril, je sais pas si vous avez connu ou si vous vous souvenez, mais nous on a eu des années où il neigeait en avril. Et là, il fait beau, donc ça fait du bien. Enfin, après, c'est difficile à comprendre ce climat, il bouge tellement. Le spectacle d'Audrey était bien sympa. Franchement, elle se débrouille super bien. Elle est hyper à l'aise avec son corps. C'était super sympa. Franchement, chapeau Audrey, si tu passes par là. Moi, c'est pas du tout le truc où je me sentirais à l'aise. Ouais, voilà. Donc, la journée se termine. J'ai eu mamie au téléphone qui garde les roses. Ça s'est bien passé. Oh, elle a un petit peu rechigné pour s'endormir chez mamie. Mais elle a bien fait sa petite vie tranquillou. Donc, demain matin, en milieu de matinée, je pense vers 9-10h, on va la récupérer. Oui, un dimanche matin, 9h, c'est le milieu de matinée. Oui, oui, chez les parents, il n'y a pas de différence le dimanche. Enfin voilà, c'est tout pour cette journée. Moi, je vais essayer de me regarder ma petite série si Chouchou veut bien me céder la télé. Parce que du coup, je regarde La Servante. Je crois que c'est Servante Écarlate. Mais j'ai un doute affreux sur le deuxième mot de la série. J'ai commencé ça hier, j'en avais entendu parler. Et c'est une série qui me fait quelque chose dans le sens où donc c'est une série, donc du coup c'est vraiment un contexte, un truc particulier qui n'est pas réel, mais il y a quand même une grosse partie qui pourrait être réaliste. Je sais pas si vous regardez cette série, mais la chose qui me fait dire mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, enfin la partie qui pourrait arriver, c'est le fait que c'est en période de guerre et que c'est tellement une guerre importante que toutes les acquisitions des droits de la femme se font retirer petit à petit, type le droit de travailler, la possession, l'argent. En gros, quand tu gagnes ta vie en tant que femme, c'est ton argent. Et ben là, non, la femme n'a plus le droit d'avoir son propre argent, elle n'a pas le droit de posséder de l'argent. Et il y a moins d'un siècle, les amis, c'était le cas. La femme n'avait pas le droit de travailler, la femme n'avait pas le droit de voter, la femme n'avait pas le droit d'avoir de posséder de l'argent, c'était l'argent de son mari. La femme était à la charge de son mari comme un enfant. Et je me dis... c'est vrai que en un claquement de doigts, il peut se passer quelque chose d'assez grave, un coup d'état, je sais pas, j'en sais rien, un truc assez énorme, une guerre assez importante, et on pourrait perdre en un rien de temps tous nos droits de femme. Mais ça te fait réfléchir sur le fait que les droits de la femme, on les a pas eu comme ça. Et bref, passons. Du coup, série très intéressante et qui me fait réfléchir. Voilà. Bon, on va leur souhaiter une bonne nuit, mon chouchou. On les retrouve demain pour un nouveau vlog. Des bisous, à demain. I've kept my heart inside a box, threw away the key.